Allez, salut les gars, voilà, c'est toujours moi le Sam Hospital et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Donc aujourd'hui, je suis là juste pour vous présenter une bourse et c'est la deuxième plus grande bourse, c'est-à-dire la deuxième bourse la plus favorable ici en Russie. Voilà, c'est la bourse du Open Doors et dans la plus grande partie, dans les normes, cette bourse est destinée un peu, c'est plus les Européens qui postulent pour venir étudier. Mais cette année, voilà, et c'est ouvert à tous. Et donc, si vous voulez par exemple postuler, c'est très simple pour pouvoir postuler à cette bourse. Et j'aimerais en même temps prévenir, cette bourse concerne seulement que le master et le doctorat. Voilà, donc ceux qui sont en recherche, ils peuvent postuler à cette bourse. Et je vous promets que cette bourse recrute plusieurs étudiants. Voilà, donc plusieurs étudiants. Partout dans le monde entier. Donc, si vous voulez postuler, ça sera vraiment une grande opportunité pour vous. C'est la deuxième plus grande bourse d'ici. Donc, essayez de postuler. Voilà, vous n'avez rien à perdre. Et ici, cette bourse, vous allez étudier en anglais ou en russe. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si vous venez pour y étudier, vous allez, par exemple, comme ça, faire le cours en anglais ou en russe. Ça veut dire que vous allez présenter pour ceux qui veulent faire, par exemple, le cours en anglais, vous allez présenter. Il n'y aura pas de cours en anglais pour vous, voilà, il n'y aura pas de cours préparatoire. Vous allez présenter votre certificat en anglais pour pouvoir postuler, pour pouvoir étudier en anglais. Mais ceux qui n'ont pas de certificat, voilà, vous allez étudier en russe. C'est ce qui est primordial. D'ailleurs, même 75% des étudiants qui postulent et qui obtiennent cette bourse, ils étudient en russe. Donc, vous comprenez que vous allez étudier en russe, vous allez faire une année de langue russe ou 8 mois de langue russe pour pouvoir avant de pouvoir commencer. Donc les gars, c'est un peu ça. Et pour en ce qui concerne cette bourse concerne un peu, c'est plus scientifique que littéraire. Voilà. Donc vous allez voir ici, vous voyez que ici il y a management, business et management. Comme je le disais, c'est plus scientifique que littéraire. Il y a biologie, il y a computer science, big data, il y a neurologie, il y a mathématiques, il y a physique, sciences physiques, économie, économétrie, chimie, médecine, vous comprenez. Donc si vous allez voir, si on va voir les éléments de littérature, peut-être vous allez voir par exemple linguistique et modern language, et puis vous allez voir ici business et management, c'est un peu littéraire, voilà, et éducation. Sinon, la plupart des temps, c'est en sciences. Voilà, donc, mais néanmoins, vous n'avez rien à perdre postuler, car cette bourse, elle est très avantageuse. Voilà. Donc, ici, par exemple, comme ça, en ce qui concerne les registrations, il y aura 3 tours. Donc, le premier tour va commencer, par exemple, comme ça, du septembre, le 15 septembre, c'est-à-dire, c'est déjà, il y a 5 jours déjà qu'ils ont lancé cette bourse. Voilà, vous allez vous enregistrer. Dans un premier temps, je vais vous donner d'abord je vais vous donner d'abord les informations et essayer de postuler avec vous, voilà, pour que vous sachiez au moins comment ça se passe, pour que vous sachiez au moins, vous puissiez au moins postuler. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas comment faire, ils peuvent nous contacter inbox. Voilà, on va essayer de s'entraider. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, comme je disais, le premier tour part de septembre, du 15 septembre, voilà, jusqu'en décembre, le 10 décembre. Donc, vous allez vous enregistrer, vous allez remplir les éléments avec vos dossiers et tout ça. Voilà, et vous allez passer le premier tour. Donc, une fois que vous passez le premier tour, le 13 décembre, the first round grading to the portfolio. 24 décembre, announcement for the first round. Donc, au 24 décembre, le 13 décembre, c'est déjà fermé. Voilà. Le 24 décembre, ils vont annoncer maintenant ceux qui vont passer le premier tour. Voilà. Donc, une fois que vous passez le premier tour, en ce qui concerne le premier tour, ici, vous allez vous enregistrer. Et ici, et là, vous allez remplir les éléments, je vais vous montrer. Vous allez voir comment ça se passe. Je vais vous montrer. Ne vous inquiétez pas pour ça. Nous sommes là pour ça. Donc, ici, vous allez remplir un peu les éléments, c'est-à-dire mettre vos données personnelles et puis vos diplômes, vos relevés et tout ça. Et ceux qui ont les certificats aussi, ils vont mettre les certificats. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, ceux qui sont ici en Russie qui veulent postuler à cette bourse, voilà, vous êtes moins avantageux. Avantagé plutôt. Voilà, c'est ceux qui sont avantagés, c'est ceux qui sont de l'extérieur. Voilà, ceux qui sont ici, ils sont moins avantagés. Donc,
Ici, une fois que c'est fini le 10 décembre, le 24, il y a l'annonce des premiers résultats. Une fois que vous passez les premiers tests, vous allez maintenant passer au second test. Le second test, c'est quoi? C'est du janvier, le 10 janvier au 11 ans. Ici, ça peut faire le 3 février. Donc, de janvier au 3 février, vous allez passer le second tour et les résultats vont tomber. Voilà, maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est quoi? C'est à partir de, par exemple, comme ça, du 22 février, ils vont commencer à annoncer les résultats pour les masters. Voilà, ça c'est pour les masters. Ils vont annoncer les résultats pour les masters et ceux qui ont fait le doctorat, eux, ils peuvent comme ça postuler pour le second tour en février et mars. Et ils auront aussi leurs résultats le 23 mars. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Et ici, par exemple, comme ça, pour pouvoir postuler, c'est très simple. Et les éléments et les universités aussi qui vous reçoivent sont déjà là. Et aussi, les documents dont vous avez besoin pour pouvoir postuler, on va essayer de voir tout ça. Donc, ici, voici les universités qui vont vous recevoir. Voilà, ce sont les universités qui sont là. On a l'université d'économie, HSE. HSE, c'est l'université d'économie qui est à Moscou. C'est une bonne université. Et puis, c'est une université qui est beaucoup basée sur la statistique. Et il y a aussi, par exemple, ITMO aussi. Voilà. Et ceux qui veulent faire les statistiques, je vais essayer de voir si il y a l'université de statistique. L'université statistique qui est Messi. Voilà. Il y a Messi qui fait le statistique. Voilà, ça c'est Messi. Il y a Messi qui fait le statistique. Vous pouvez aussi postuler à Messi. Il y a plusieurs universités qui, celui-là aussi, Tomsk aussi fait les statistiques. Voilà, donc statistique et Big Data, ces universités-là font les statistiques et Big Data. Et il y a aussi les National University of Science, celui-là aussi font statistiques et Big Data. Et l'université de Samara, l'université de recherche de Samara, eux, ici, ils font les big data. Voilà. Donc, vous savez déjà comment est-ce que et comment vous orienter. Donc, vous allez voir si vous voyez, si vous pensez que vous n'avez pas assez d'informations, vous pouvez aller par exemple sur Google, vous tapez les noms de ces universités-là, vous allez voir les facultés qui y sont et vous allez les choisir lorsque vous allez commencer à postuler. Voilà. Donc, en termes de subject, je vais. Subject, ce sont les éléments qui sont là. Ce sont ces facultés-là. Donc, si vous n'avez pas votre faculté ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Parmi ces 14-là, si vous n'avez pas votre faculté là, c'est pas la peine de chercher à postuler. Voilà. Si vous n'avez rien ici, vous ne postulez pas, c'est pas la peine. Donc, c'est un peu ça, c'est ce que je voulais comme ça vous montrer pour que vous sachiez au moins comment ça se passe. Et comment est-ce que vous devez postuler? Maintenant, on va essayer de voir le rôle ici, les règles. Comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir postuler? Dans un premier temps, si vous voulez tout savoir pas à pas, vous allez télécharger ici, donnant le rôle. Vous allez télécharger ça et vous allez voir comment est-ce que ça se passe pour pouvoir postuler. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui ne vont pas maîtriser la vidéo ou bien lorsque je n'ai pas encore fini de faire la vidéo en ligne. Voilà, vous pouvez télécharger ce qu'il y a là aussi pour pouvoir essayer de voir comment postuler. Maintenant, pour pouvoir participer, c'est très simple, vous savez déjà. Ceux qui ont déjà un compte, ils vont venir là. Ceux qui n'en ont pas, ils vont venir là. Participer. Voilà. Donc ici, choose your language. Vous allez venir là, vous allez choisir votre langue. Vous voulez étudier en russe ou en anglais. Ça sera à vous de voir en quelle langue vous allez étudier. Voilà, comme je l'ai dit, je vais pas faire une longue vidéo, donc je vais vous montrer comment ça se passe et je vais essayer de couper la vidéo et faire une vidéo pour mieux postuler. Parce que ça, ici, c'est l'enregistrement. Lorsque vous allez finir de faire l'enregistrement, vous allez maintenant commencer à remplir, c'est-à-dire à mettre vos dossiers en ligne afin de pouvoir postuler. Voilà, donc ici, citizen, votre pays, ou vous êtes de quel pays, vous choisissez là. Et ici votre nom, prénom en latin, pas en russe, en latin, c'est-à-dire comme ce qui apparaît sur votre passeport. Voilà, vous remplissez tout. Et ici encore participation, subject area. Donc vous allez choisir votre faculté.
Donc, si vous remarquez bien, vous allez voir que ce sont les facultés qui sont là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14. Donc, on avait compté 14. Donc, voici les 14 qui sont là. C'est de ces facultés-là, parmi ces facultés, que vous devez choisir votre faculté pour pouvoir y étudier. Voilà. Donc, n'oubliez pas, c'est très simple. Vous allez finir de postuler. Vous allez finir de vous enregistrer ici. Vous allez maintenant soumettre. Il y a un lieu où il y a soumettre. Voilà. Et lorsque vous allez soumettre comme ça, vous allez recevoir un message. Et si c'est direct, vous allez partir direct. Vous allez partir directement. Et ensuite, on commencer à. Voici le sign up ici. Ça, vous allez cliquer ici pour vous enregistrer sur le site. Voilà. Et ensuite, vous allez. Ils vont vous rediriger vers un lieu où vous devez mettre vos documents et tout ça. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, ceux qui veulent faire les cours en anglais, s'ils peuvent traduire le dossier en anglais, vous pouvez les traduire. Maintenant, je vous donne les conseils que je vous donne, c'est quoi? C'est que. Ceux qui veulent étudier en russe, si vous voulez être avantagé par rapport aux autres participants, vous devez essayer de traduire vos dossiers en russe. Sinon, vous pouvez déposer les dossiers en français comme vous voulez et aussi en anglais. Voilà, mais seulement que je vous donne une petite technique. Ce que vous devez faire, vous devez traduire les éléments en russe. Voilà, et ceux qui veulent postuler en anglais, eux aussi, ils doivent traduire les éléments en anglais. Comme ça, vous serez plus avantagé. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. Donc n'oubliez pas ça, c'est très très important. Donc comme je disais, c'est la deuxième plus grande bourse de la Russie. Donc essayez de postuler à cette bourse parce qu'elle est très importante et puis elle est très claire. Elle recrute plusieurs étudiants. Donc les gars, c'était moi du Sam Hospital et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. N'oubliez pas, je vais couper cette vidéo, mais je vais reprendre une autre vidéo et je vais essayez de postuler moi-même comme ça. Vous allez essayer de voir comment ça se passe pour que vous puissiez aller un peu plus vite. Voilà, donc n'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, essayez de me donner une pouce bleu. Voilà, et puis essayez aussi de partager pour que les autres aussi puissent voir ma vidéo et venir postuler. Voilà, donc les gars, c'était moi, Sam Hospital, et à plus.